On va dire bonjour à YouTube, hein. Salut YouTube. Fuser, ça va bouger, bouger. DJ Anto, exactement. DJ Anto est dans la place. Te voilà. Allez. On joue sur Switch, d'ailleurs. Attention les oreilles. Ah non, c'est des vrais sons en plus, hein. Y a que du vrai son et tout, donc... ça va bien se passer. Là-bas, c'est si démente que je me dis. Est-ce qu'il faut les interner? Et ça, c'est son premier set. Le premier. Il est dubitatif à côté, Vincent. Je sais que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je suis en train d'analyser le jeu. Sans le son, et ça, c'est bon. C'est un jeu où il y a du son et le mec n'a pas le son. C'est ça, c'est que moi, je regarde que les images là, tout à l'heure et c'est plutôt drôle. Le mec est là, quoi. Ce que je peux dire, c'est que moi j'ai le générique de Maya dans les oreilles. T'as le générique de quoi? De Maya l'abeille. Eh ben c'est pas du tout ça, frérot. C'est... Mais alors, pas du tout. C'est facile de créer un mix. C'est facile de créer un mix, on nous dit. Hein. Bon, bah on va créer un mix. Ah oui, j'ai créé un personnage haut en couleur. Je lui ai mis un espèce de casque. Je suis un peu le nouveau Daft Punk. Mais le Daft Punk renard, quoi. Le gars, il a un casque de renard, si tu veux. C'est là où on est bien. On va installer un rythme. Donc, on a 4 choix différents sur un disque. Ça va être le clavier, ça va être les basses, ça va être la batterie et la voix, globalement. Et on peut lancer un disque, du coup, en utilisant les touches adéquates. Alors, on va se mettre quoi? Qu'est-ce qu'on met comme rythmique? Don't Start Now de Dua Lipa, c'est bien, ça, non? C'est pas mal, ça, comme rythmique. T'es bien là toi. Il a l'air d'être assez simple. Assez simple. Une BPM mais pas trop PV, ça me va. Ça va. On va rajouter le synthé, la guitare. Qu'est-ce qu'on se met? Un petit bad guy. Non, on va garder bad guy pour la voix. Ouais. Pour la voix. Pour plus tard. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour le moment, hein? Killing in the Name, c'est bien ça. Pour la basse. Avec du synthé, des cordes ou des cuivres. Il y a du heavy metal, il y a tout apparemment, mais là c'est le tuto, hein, donc on n'a pas tout débloqué. Là il y a du rap hip hop, musique latino, rock, musique latine, R&B, dance, etc. etc. Et tu débloques, tiens, Hot Stuff de Donna Summer, on aime bien ça, non? je te sens d'accord, Vincent. Et la voix on avait dit Billie Eilish. Hein. Ouais. Bad guy. Rien. Le public va adorer. Je veux bien écouter ton mix. Écoute ça, ça c'est mon mix. En entier, là, là t'as mon mix là. Là c'est mon premier mix. C'est à dire que voilà quoi. On est là. Mais tu sais que je te dis sincèrement, c'est bluffant. Bah c'est normal, le jeu fait tout. Non mais ça c'est très bluffant d'avoir, ça marche bien, d'avoir hein. Plein de musique différente, ouais. Et que ce soit bien, bien accordé, franchement. C'est très fluide. Et tu changes en fait au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le temps en fait. Il y a pas que exactement, le temps. Exactement. Les voix en fait, les ah tout est bien, tout est bien fait franchement. Et franchement c'est, tu vois, à titre de comparaison, les mix dans Max Singer sont beaucoup moins bons que ceux-là. Alors faut savoir que c'est des gens qui ont fait Guitar Hero, Rock Band et tout, qui ont bossé sur le jeu, DJ Hero et tout. Exactement, Aurel. Et là du coup on a de nouveaux sons, non c'est les mêmes qu'on a déjà, mais on va changer un petit peu. Regarde, on va faire Sean Paul Temperature pour la voix. Faut que j'inclue. Alors là, comme c'est le tuto, tu vois, il faut inclure Don't Start Now, on l'a fait. Il faut inclure Bad Guy, mais dans le clavier. Deadmo5, c'est connu ça, non? Là, il faut que je mette Good As Hell. Pas de soucis, on va mettre Good As Hell. Et Summertime. Ah non, c'est la trompette qu'il faut mettre. Pas de soucis, on va mettre la trompette de Good As Hell. Et la voix, Good As Hell. Bouge pas, c'est où? Ici. Ah, ça a changé, c'est Summertime maintenant. Ils veulent tout. Hein. Franchement, ça marche bien. C'est ça qui est assez bluffant au final. C'est que pour le coup,
le jeu gère vraiment bien tous les trucs. Alors, bouge pas, on va mettre ça. Tu vois, il a pas du charisme, mon perso. Franchement, ça va, en vrai. Il marche bien. C'est un personnage qui a jamais été fait. Ouais, je suis le premier. Personne s'est dit, tiens, je vais mettre une tête de renard. Premier au monde. Premier au monde. J'aime bien que tu bouges alors que t'entends pas. C'est ça qui est bon. Le mec, il est à fond. Ah, c'est franchement vachement cool ce que tu fais. Oh, t'as pas le son. Ouais, ouais, ouais. Je la sens, la musique. Alors, inclure au moins un disque des années 2000. On va mettre ça arrière. Hop. Là on envoie là. Là on envoie du banger là. Ça bouge à la maison là. Fin du set dans 10 secondes. On arrive à la fin du tuto, les gars. Et mesdames. Je dis souvent, les gars, mais en vrai, c'est pas inclusif. Hein. Ah, il a trop du charisme, mon perso. Franchement. Un autre personnage, je crois. C'est le mec qui veut voler ta place. Je pense, ouais, mais il n'y arrivera pas. On fait des trop bons sons. Mais si, il y a un mode carrière. Alors, t'as un mode campagne et t'as un mode freestyle. Et ouais, ouais, ouais. Là, on va faire le mode campagne ce soir, justement. Et t'as des modes, je crois que t'as du mode multijoueur aussi dans le jeu, en ligne et tout. Je sais pas trop comment ça marche, mais j'imagine que tu te tapes contre un autre gars, un autre DJ, ou tu fais chacun ses DJ sets, je sais pas trop. Comme le jeu est pas sorti, c'est la première fois qu'on le stream, y a pas énormément de monde qui l'ont streamé encore, du coup. On est les premiers sur le coup à VL. La base, toujours. 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 C'est ce que ça veut dire d'ailleurs, VL. Avance. Pas du tout. Pas du tout. En VL, ça veut dire vers l'infini. Et au-delà. Tu peux pas lancer une fête sans moi. Pas du tout. Donc je vais te brancher. Ensuite, rejoins-moi sur ma scène quand tu voudras jouer ton premier set. Mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, VL. Il n'y a que Manu qui sait. Il faudrait qu'on lui demande, en vrai. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé, moi. Ah ouais? Il m'a dit voix libre. Il me semble que c'est ce qu'il m'a dit. Mais je me demande s'il dit pas un truc différent à chaque personne. C'est possible. Ah, il y a du Coldplay, tu vois, ça c'est bien, du Coldplay. Lady Marmelade. Oh. Non, tu te souviens de ce son? Bien sûr. On se souvient de ce son. Tiens, tout le monde se souvient de ce son. Ah, il me donne 2000 jetons de musique. Merci. Pour acheter des chansons. Ah là là. Oh, des jetons de style, je suis désolé les gars, mais on va pas se mentir, mon style est déjà over the top. Donc on va pas y aller quoi, mais du coup on va faire la campagne, on a dit. On va se faire la campagne. Plusieurs scènes, et évidemment, nous on va sur Rhythmic Guardian. Et on va faire le tout premier set, du coup, puisqu'on a déjà fait ça. À 7h du matin. Tu sais, t'as des heures, au fur et à mesure ça change. J'imagine que tout le setup va changer aussi, que les lumières vont changer également. En plein jour, tu mets pas le même setup en place et tout, donc c'est cool. On va voir ça de toute façon, hein. On va découvrir ensemble. Alors, les cinématiques sont pas hyper fluides sur Switch, hein. Je sais pas si c'est la Switch ou si c'est parce que le jeu est pas encore sorti, mais c'est pas la fluidité, quoi. Tu vois, t'as pas à t'inquiéter. Et je continuerai à te parler dans ton casque. Pendant tout le set, je te dirai ce que veulent les gens, comment ambiancer pour faire durer la fête. Voilà, donc lui il va me coacher au fur et à mesure pour savoir ce que je dois balancer comme son, ce que la foule veut ou quoi, et du coup pour gagner des plus de points, j'imagine, et réussir son DJ set. T'as pas besoin d'un coach. Je suis trop fort déjà de base. Déjà assez fort. Je sais pas si les gens t'entendent, mec. Je sais pas. J'espère vraiment qu'ils t'entendent pas. C'est le gars. Mec horrible, j'espère vraiment que. Donc non, là, on peut. C'est, est-ce qu'il m'entend de manger à côté de toi? Oh, j'espère vraiment pas, parce que là, sinon, tu vas prendre un coup de boule dans les dents, tu sais. On l'entend. Ah, il t'entend. Ah, il t'entend. Bien. Mais pas manger, hein. Mais pas manger. Il y a un moment où il était comme ça, Vincent. Oh putain, merde. Je vais devoir sortir du bureau alors que le mec bosse, hein, et que moi, bah, je fais que jouer aux jeux vidéo finalement. Non, non. Tu fais bien plus que jouer aux jeux vidéo.
tu animes un live Twitch. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, c'est arrête. Une forme de travail. Non mais, c'est vrai. Arrête. Tu dis ça parce que... Parce que oui, il faut bien te vanter un jour. C'est vrai. Il faut bien que quelqu'un dise que ce que tu fais est incroyable ici. Mais d'ailleurs, les gens le font déjà beaucoup. Non. Non. Bon. Tu mens. Tu mens. Tu mens, Martoni. Un métier sympa, ça joue aux jeux vidéo. Ah bah oui. On aimerait être payé pour ça aussi. Mais personne. Hein. Ça va être très rare les gens qui sont vraiment payés pour jouer aux jeux vidéo, les gars. Oh, t'es gentil, Aurel. T'es gentil. Je parie que tu joueras bientôt en tête d'affiche. Regarde, il est chaud. Peut-être même qu'un jour on verra sur la scène de Tekkersen. Il va mixer comment en étant sur ses platines, le gars? Je sais pas, mais on dirait étonnamment la scène un peu plus Tomorrowland. Je pense que ça doit être voulu, hein. C'est vrai. Lancez un disque. allez, on vient de prendre ça, Move Like Jagger, là, c'est bien, Move Like Jagger, tiens. Ça déboîte. Inclure au moins un disque de pop. Et on a du temps, du coup, pour ajouter ces disques à son mix, ouais. Il a du mal. La bouche pâteuse. On a mangé juste avant. Ah, je vais mettre ça. S'il me demande de mettre une voix, on va mettre Never Gonna Give You Up. Tu connais Eric Astley? Tu connais? Mais bien sûr. Mais quel mytho! Quel mytho! Tu me déçois. Mais 1987, j'avais moins 13 ans à cette époque. Mais si. Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Up. Ah, mais oui! Eric Astley. Mais oui. Mais bien sûr. Bon, on a mis les paroles de... Oh oui, et puis surtout sur les réseaux en fait. Ouais, exact. Qu'est-ce qui t'arrive, Vincent? Tu charges quoi? Charge. Mais bien sûr. Je vais prendre, ça me dérange. Bien sûr, mais... Tu sais, c'est la famille, hein, qui est sur le live de toute façon. Ouais, c'est vrai. Y'a pas de soucis, hein. Ils connaissent, hein. En plus, les gens me voient même pas récupérer le chargeur. C'est ça qui est beau. Oui, c'est vrai. Alors que t'es quand même vachement beau gosse, hein. Non. C'est faux. Donc, ah, le pire gars. Tu l'as chuchoté en disant il va même pas l'entendre. C'est ça, ouais. Si, tu l'as entendu. Je l'ai pas chuchoté assez pour que tu l'entendes pas. Lancer un disque sur un temps fort. Vas-y. Bon, on a réussi, hein. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. Hein. Tu gères, il dit. La base, frérot. Deux disques de pop, pas de soucis. Ah bah, je les ai déjà, en fait. Hein. Ils sont déjà là. C'est déjà gagné, hein, ça. On prend les points gratos, hein. Ça tourne bien en vrai. Le jeu est plutôt bien foutu sur comment il balance ses mix, honnêtement. Il faut faire évoluer son mix pour maintenir l'intérêt du public. Votre intérêt à vous là. Je suis hypé, hein. Je suis hypé par le son, je suis à fond dedans, c'est genre... Vincent, il comprend pas ce qui se passe.
Hop. Salut Zeroas, comment vas-tu? On fait des bangers ce soir. Ouais, ça va. On teste un jeu en avant-première, donc on est content. C'est le stream de la démo... Non, la démonétisation, non. En vrai, comme ils prennent seulement des parties des trucs et que tout est mixé ensemble, normalement, il n'y a pas de trucs qui font sauter quoi que ce soit, normalement, vu que c'est un remix au final. Normalement. Je dis ça après, je peux me tromper. Je suis Mr. Fox en plus ce soir, normalement. Mais dans le doute, je pense qu'on supprimera la VOD de Twitch. Dans le doute. Ah, voilà les drapeaux dans le chat, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Est-ce que j'ai fait 5 étoiles? Non. C'est non, bon, ce serait trop beau. Pas mal pour ton premier concert. À partir de maintenant, les récompenses et les défis vont augmenter. Mais oui, c'est ça qu'on veut, plus de défis. Oh, j'ai un nouveau t-shirt, mais il est hors de question que je change le design de mon gars. Hors de question, il est hideux en plus, hideux. Qui mettrait ça? I2. Bah, il faut prendre l'XP, hein. Mais non, mais je pensais que t'allais passer niveau 2, là. Vincent, il est dubitatif. Il est toujours niveau 1, c'est ça qui me choque. Tu fais les meilleurs. Sinon, t'as la porte, elle est juste là. Je crois qu'il y a Cédric Cizer qui t'appelle. Regarde, il est là. C'est ma mascotte, un peu, Cédric Cizer. Il est toujours là pour nous, toujours. En fait, il se voit dans le cadre. Mais oui, vraiment. Il se voit dans le cadre, il se voit dans le cadre à chaque fois. C'est un peu ma mascotte. Il le sait pas. Mais il m'accompagne toujours. Et vous savez que si je tourne un tout petit peu la caméra, on peut voir aussi Maxime Guény. Et alors Guény plus Cizer, il y a un moment les gars, on rince chez VL. Aïe aïe aïe. Oh, vous savez, on dit n'importe quoi ici, hein, c'est un peu la base. Hein. Oh, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, je prends direct. Même pas honte. Ça va être n'importe quoi. Elle est trop bien cette musique, arrêtez. Moi j'aime bien. Ah oui. Mais oh putain, il y a des moustiques ici, c'est un truc de Barjot. Je comprends pas. On va se battre. Allez. Direct. Happy de Pharrell Williams, regarde, ça aussi on prend, on achète. Moi j'achète des CD. Ils m'ont donné des points, je vais acheter des CD. Je suis comme ça moi. Après je suis un gros gars qui aime vraiment tout ce qui est pop et tout, donc voilà. C'est un jour je vais faire venir Maxime Guény, il va faire un mix, tu vois. Je pense. Mais tu sais qu'il a déjà fait des Rick Astley. Oui, Rick Astley, on l'a eu tout à l'heure. Il a fait de la musique, Maxime? Ah. Et attention, il a fait de la musique parce qu'il tenait un groupe de musique avec Cédric Cizer. Mais non. Tous les deux, si. T'es sérieux? C'est trop fort. Vous l'avez entendu, hein, il y a Vincent à côté, vous le savez maintenant. C'est un petit peu mon anecdote guy. À n'importe quel moment, une anecdote peut sortir de sa bouche. Tant que c'est qu'une anecdote, ça va. Il l'a osé. Personne ne l'a relevé, je pense, tu vois. J'espère. Il l'a osé. J'ose tout, moi, ici, mec. J'ose tout. Surveille bien le public si tu veux décrocher ces créneaux en prime time. Si tu veux viser haut, commence tout en bas, le gars, il dit. Hein. Alors, déjà, t'as pas la confiance, quoi. Inda Club de 50 Cent. Ça vous aimez? Comme ça. Vous aurez jamais entendu Carly Rae Jepsen sur ce mix, regarde. Franchement, le jeu il gère vraiment bien tout ce qui est harmonisation et tout. Hein. C'est... Alors, je suis pas un mec de musique hein, de toute façon, hein, donc de base, je vous dis ça, vous êtes obligé de me croire. Je trouve qu'il gère vraiment bien les trucs quoi.
Alors, il faut lancer d'autres disques, bouge pas. De toute façon, ça va être ça pendant tout le jeu. C'est pour ça qu'on va y jouer que 2 heures et qu'on va changer de jeu après. Parce que je pense qu'il y a un moment, par contre, ça doit saouler. En vrai. Cette fête est top! Waouh! Pour éjecter un disque, sélectionne-le avec left, puis éjecte-le. C'était facile en fait, hein. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'un stylo pour ça? Non! Ah oui, on peut le faire, on peut l'éjecter aussi sur un temps fort pour faire plus de points. Oh ouais, d'accord, mais ils disent pas aussi. Il y a un moment où faut me dire aussi. Hein. Tain. On va se remettre un petit peu de carrière à Jepsen parce que je sais que Vincent il est fan. Je sais. Je sais. Alors qu'il entend toujours pas le son. Et il s'ambiance quand même, vous le verrez à côté, il est comme ça. Sûrement qu'il suit mes mouvements de tête, mais. C'est qu'en plus, il bouge la tête, vas-y. Il s'ambiance. Il veut rien dire ce live. Ah oui, pour ceux qui se posent la question, on est à plus de 1 mètre, Vincent et moi. Hein. C'est pour ça que j'ai pas de masque, il en a pas. Si jamais il se rapproche, on mettra les masques, y a pas de soucis. Hein. Vous vous inquiétez pas, vous connaissez de façon AVL. On fait gaffe. On va mettre Happy. Je ne compte pas plus me rapprocher de ça qu'Anthony, ce qui me fait un peu peur. Donc. Ouais, c'est ça. C'est pas ce que tu disais juste avant. Mais on était masqués tout à l'heure. C'est vrai. Permis. Non mais, attendez, regardez. Il bouffe un tiramisu devant ma gueule. Hein. Il faut savoir que ce tiramisu est offert par la maison de là où je me prends à manger. Donc déjà de 1 il est très bon et de 2 le goût de la gratuité est encore meilleur. C'est vrai. On n'entend pas les masses lasiques. Bah bouge pas, on va monter ça. Hein. Ah bah tranquille Benap. Ouais il se met bien. Hein. Il se met bien. Bouge pas, on va monter un peu le son. Hop, voilà, tu devrais entendre mieux là. On est bien. Ah du coup je fais n'importe quoi du coup. Oh là là, du coup j'ai pas du tout... J'ai pas du tout suivi, je vais perdre des points, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. On est là pour se marrer. Je pense que peut-être que... Ah non, il va pas y avoir assez de temps pour 7 secondes. Ouais, non, c'est pas grave. C'est la faute de Vincent, hein, de toute façon. Je l'ai toujours dit, les gars. Continue comme ça. Faute de Vincent. Bah oui. Bien sûr. Inclure 2 disques ou moins. Mais que la voix. Et après tu rajoutes. C'est bon, j'ai bien recalé ma caméra, on a toujours Cédric Kizer qui est là. Hein. Toujours. C'est très important. C'est très important. Dans mon setup, Cédric Kizer, il a une place très importante. Tu pourras lui dire, hein, Vincent. Et puis l'avantage que j'ai, c'est au moins... Les auditeurs, enfin les viewers, ils doivent pas sentir. Ils doivent sentir bien. Ils sont là, il y a une sorte de cohérence encore dans le plan, il y a deux chauves les uns à côté des autres. Oh, tu l'as dit ça à Cédric? Parce que moi tu me traites de chauve, tu fais le mariole. Mais devant Cédric. Tiens, tu voulais un niveau sup? Non, non. Ah, parfait. Direct. Tu l'auras pas loupé. Tu récupères des jetons à échanger contre de la musique, des styles voilà. Et plus. Ah là là. On verra si tu fais le malin quand tu vas faire son émission en direct. C'est mercredi, c'est ça hein ouais. Attends, bouge pas, c'est marqué. Tous les mercredis de 20h à 22h. En fait, c'est bien parce que tu fais des très belles autopromos, en fait. Ah bah moi, je suis gentil, moi. Moi c'est la famille, hein, VL, hein, de toute façon. On envoie tout le monde. Hein. On envoie tout le monde. C'est une grande famille, finalement, VL. Hein. On s'apprécie tous sans se connaître. En vrai, j'ai rencontré hier Maxime Guény parce qu'il était au gros salon qui était hosté par VL. Le mec est hyper sympa, en vrai. Il est très gentil.
Il va lancer sa chaîne Twitch, je crois. Je vous spoil un peu. Je vous spoil. C'est vrai, vous avez pas. Ah ouais, vous avez dû parler de Twitch. Ouais, on en a parlé, ouais. On en a parlé un peu avec. Avec Maxime Guény. Tu penses qu'il va faire des lives sur quel jeu? Je pense pas qu'il fasse des lives sur des jeux, mais est-ce qu'il va streamer son émission dessus? Ça, c'est autre chose. Je sais pas si c'est lui qui va choisir. Moi, je vais juste parler de Twitch après. Ça se trouve, il va rien faire. Ça me ferait rire de le voir jouer à Call of Duty. Mais moi, ça me ferait rire de le voir jouer tout court. Ouais, c'est ça. Un jour, faudrait que tu l'invites. Mais j'aimerais bien, mais je crois qu'il est très pris. je crois que, si tu veux, le gars, il a quand même 2-3 trucs à faire. J'ai comme l'impression que c'est à minuit, il assumerait pas. Je suis pas sûr. Après, il peut venir 5-10 minutes s'il veut. Il peut faire un DJ7 par exemple. Et lui qui a déjà fait de la musique, rappelons-le. Bien sûr. Je pourrais rire Milan, je crois. En plus, il est vraiment gentil, je suis sûr, il le ferait. et je pense sincèrement qu'il le ferait. Mais je suis sûr. On verra, si un jour il a du temps, on l'invitera Maxime. Si un jour il a du temps. Est-ce que vous voudriez voir Maxime Guény sur le live, en vrai? Tu sais, le pauvre, le traquenard, il va se pointer ici, monte juste 2 secondes là-haut. Attends, quoi? Va voir Anto. Ah, le public peut soumettre les demandes, un petit peu comme les gens du chat, quoi. Et genre, quand il y a un public comme ça et que t'es aussi loin, le gars il fait « Aimez-moi votre stuff !» Ah, il y a zéro race qui dit « Why not ?» ?»« Why not ?» il dit. « Dis why not ?» Écoute, un jour peut-être, on ne sait pas. S'il a du temps. En vrai, ça me ferait vraiment rire. Là, il est en train de faire un texto à côté Vincent. Je pense qu'il contacte Maxime Guény directement. Non, je suis en train d'appeler ma mère parce que je veux tout tâcher avec tiramisu. Tiramisu, mec, je te l'ai déjà dit. Ah, il me rend ouf. Ah, il me rend ouf. Je pense qu'il y a un moment où ça va partir. Salut, caféine, comment ça va? Second me maintenant. Eh, elles sont très classe les emotes, faut dire aussi. Hein. Deux personnes qui ont bossé dessus. Hein. Moi j'étais juste là en disant ouais, c'est cool, ouais, c'est pas mal. Et puis il y a des gens qui ont travaillé. le jeu c'est Fuser. En fait, tu crées des mix selon ce qu'on te donne, selon les demandes du public, etc. Et en fait, là on est dans la campagne, donc on apprend au fur et à mesure à jouer en fait et à voir ce qu'on peut faire dans le jeu. Lui il veut Ghost and Stuff. Hop, et ben on lui met. Et ça fait monter la barre de score. J'ai l'impression que le jeu est pas trop compliqué. Non, ça va, franchement, c'est pas compliqué. Hein. T'as pas grand chose à faire. Hein. En vrai. Alors lui, il veut Satisfaction de Benny Benassi. Et l'autre, il veut. Bah en vrai, vous allez avoir tous les deux cette version, les gars, y'a pas de soucis, hein. Je vais devoir bouger, Vincent. Au rythme du son que tu n'entends pas. Il danse à côté, hein. Ça se voit pas, mais... Fox, il veut un truc des années 70, lui, mais d'accord. C'est un vieux.
Ah, peut-être que tu danseras encore quand tu auras 70 ans. C'est pas sûr. Et qu'est-ce que t'en penses, Cédric Sillard? Il est pas très bavard. Je trouve qu'il est pas très bavard. Je... Honnêtement, je... Parce qu'il est un peu timide. Ah oui. Ça va, Manu? C'est vrai? Ah bah cool. Parce que caféine, il est là. On va s'en occuper d'elle, carrément. Il y a 60 personnes. Tranquillement. Ça va, on est en petit comité. Exactement. Ça, c'est la semaine qui se... Non mais bien sûr, il est là tout le temps, Vincent. Mais tu sais, c'est mon sidekick maintenant. C'est le valet, mais c'est surtout le roi. Oh, oh. Et il n'est pas que directeur, il est aussi comique. Ouais, c'est ça, mais il est meilleur directeur. Ah. Attends, j'ai un appel, je crois. Oui, Manu. Qu'est-ce que tu dis? Et t'as vu, en plus, j'ai mis le casque vraiment sur une oreille comme tous ces DJ et tout, c'est genre... On est à fond dans le RP, là. Hein. Ah bah après, mon gars, il y a un moment où... On va se dire la vérité, hein. Je suis pas non plus... Je dis sincèrement, plus je regarde, plus je trouve que la scène est vraiment un copier-coller de... De qui? Du festival Tomorrowland. Je connais. Ah, Tomorrowland, oui. Ouais, ouais. J'ai entendu Tom Roland. Ah, ouais. Alors, j'allais dire, si tu veux placer ton frère, il n'y a pas de souci. Hein. Le gars, il place son frère sur le live, tu sais. Oui, Tom Roland, mon frère. Ah, oh, il a fait des chœurs et tout. Ah, la vache, il y a tous les trucs que les pires DJ font. Ouais, j'ai jamais mixé, c'était juste une bande son, les gars. Je l'avais fait sur une clé. Et il y a des gens à côté, tu sais. Ils dansent, tu sais, genre. Ok, super. C'est ça, ils dansent tous bizarrement. Comme ça. Regarde. Ils dansent tous comme ça. Aïe 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 aïe. 4 étoiles. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais. Juge pas comme ça. Maintenant ce sont tes super fans inconditionnels. Oh merde, on a gagné des chaussures sans lacets. À tout moment tu peux tomber avec ça. Et surtout à tout moment tu les vois pas les chaussures derrière un truc de DJ quoi. C'est ça qui est ouf. Ah oui, on est en train de prévoir aussi avec Vincent, par contre, pour de vrai, on va prévoir un live à deux à un moment. On va se faire du FIFA ou un truc dans le genre, on va voir, mais on va se faire un live à deux, ça va être marrant, je pense. Un truc qui est plus en apportée, quoi. Bah là, c'est surtout que c'est solo, donc... Bah, et c'est surtout voilà. que bon, moi connaissant mon oreille musicale, là, je pense qu'il n'y aurait plus aucun viewer sur le live. Ah, mais mon gars, il y a un moment où... Viewer? Non, viewer. Viewer, mais... J'en ai marre. Je ne sais pas m'exprimer en public. Et t'imagines, et tu veux m'inviter sur ton live, mais quel risque. Mais oui, ça va être bien, mec. On va se faire un FIFA ou je sais pas quoi, on va trouver, mais on va se marrer. On va faire un live comme ça, faut qu'on cale bien, parce que, mine de rien, le monsieur a quand même beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. C'est vrai que... Ça taffe, quoi. C'est taffe. Ça taffe compliqué, quoi. So call me maybe. Je sais que t'as aimé tout à l'heure, Vincent. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Ah, mais c'est vieux, hein, en vrai. C'est grave vieux. La kermesse. T'as des soucis avec les kermesses, Vincent? Parce que tu parles beaucoup de kermesses. Est-ce qu'il y a finalement un désir inavoué d'aller dans les kermesses? Mais ça fait très longtemps que j'ai pas été dans une kermesse. Mais parce que Covid. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça c'est bien ça, Whitney Houston. C'est bien ça, on aime bien. Je suis en train d'acheter des sons. C'est qui Colette? Il faut être niveau de genre 35. Ah mais pourquoi tu prendrais pas LMFAO? Très connu LMFAO. Vas-y, rock party en thème. On met. On va l'inclure dans le mix pour toi, frère. Est-ce que ce son LMFAO te dit quelque chose? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Non, attends, c'est lequel des deux? Parce que moi j'en connais deux. Ah non, bah il y a Sexy and 908, c'est l'autre. Ouais. Et il y a celui-là, c'est... c'est lequel celui-là, putain? Ah, et ça a été un son, mais qui a été... Attends, rock party rock en thème. Non, c'est quoi? Je crois que tu l'as vu. C'est ça? Bon, on va l'écouter. C'est ça? Ok, ok. Bon, on va mettre cette rythmique là pour toi. On va mettre cette rythmique là. Rythme. En plus, attends, comme c'est une musique que je connais par cœur, tu sais quoi, je vais carrément regarder ton live en même temps, comme ça je vais avoir. Oh là là, mais quel homme! Non, mais je vais avoir le son du jeu. Quel homme! Il va pouvoir chatter avec vous. J'ai tapé Twitch dans ma barre de recherche, je tombe direct sur Hyperlink. Oh là là! Truc de ouf. Et pourtant, je me suis pas connecté à ton PC.
C'est moi ça, ouais. Ouais, et je m'entends en double. Ah bah ça doit être sympa, ouais. Je peux constater, on m'entend très bien. Ah ça c'est bien par contre. Ma voix a l'air d'être très chiante même. C'est ta voix de base ça mec, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est... ça pour le coup tu peux rien, il y a un moment, il y a un moment garçon. Il va chatter avec vous, ce sera un petit peu mon deuxième œil du chat. Vincent VLS, et pourquoi t'as mis un S à VLS mec? Ah non, mais non, non, parce que c'est mon... Ah rien à voir. Ah mais oui je suis con, mais oui. Mais oui je suis con. Évidemment. Rien à voir. Rien à voir avec VL. On a dit la rythmique de partir en quantum du coup. Ah oui mais là ils veulent qu'on lance Rock the Casbah. Ouais ça a pas l'air bien, hein. Il y a Vincent, mais il y a Vincent le meilleur. Tu vas pouvoir te rendre compte de mes talents de DJ du coup Vincent. Ah mais attends, je me rends compte. Ah oui, on a nos propres émoticônes. Ah non non mais mec, ça taffe hein, ici hein. Ah oh, j'ai pas le droit d'utiliser. Parce que t'es pas abonné, faut que tu t'abonnes. Là regarde s'abonner. C'est payant. Ah il tire la gueule hein. Allez abonne-toi, on nous dit sur le chat hein. Allez, allez. Tu vois. Non mais ça y est, je suis abonné. Rejoins-nous. C'est... tu sais qu'ils peuvent le voir mec. Il n'y a pas eu de notif ni rien. Ça t'es le pire des mythos. Je veux des bouts dans le chat pour Vincent. Des bouts dans le chat les gars. C'est inadmissible ce qu'il vient de faire. Inadmissible. En plus regarde, t'as la barre de sub en bas pour débloquer plus d'emotes en plus. On a 40 sur 50 grâce à toi. Oh putain, du coup je fais pas le jeu. Oh là là. Tout pour pas s'abonner. Tout pour pas s'abonner, hein. Quel pire gars. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah, ça passe vraiment bien. Je t'ai mis Carly Rae Jepsen pour toi. Je pense que tu peux encore légèrement augmenter le son. Tu crois? Voilà. Merci. A partir de maintenant, Vincent sera toujours avec moi le soir pour savoir si son jeu est bon. Vous avez remarqué qu'il est toujours pas abonné. Ah oui, il entend mes blagues en décalé. Oh putain, quel enfer. Mais en fait, c'est... Le jeu est sympa, mais il est très répétitif quand même. C'est pour ça qu'on va vraiment pas y jouer non plus des dizaines d'heures, hein. On va pas se mentir, hein. On va s'arrêter au bout d'une heure et demie, deux heures, tu vois, et après on passera sur Neon Abyss, mais... Moi aussi, là, toi, tu seras plus là, hein. Ouais, c'est ça. Jean, attends ton abonnement, Vincent. Quel mytho. Jamais il s'abonne, jamais, je vous le dis, les gars. Par mois, ouais, par mois. Après, tu peux prendre 6 mois directement. T'as beaucoup de possibilités en fait. J'ai un essai gratuit. Ah bah oui, de Twitch Prime, oui, bien sûr. Twitch Prime. Ah, parce que je peux jouer ça où je veux, en fait. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est ouf par contre. L'abonnement, les gens crient dans le chat. Ah oui, ça c'est dingue ça. Il y a uniquement Aurélien qui est... Tu fais ma... Mais non, on est 50 mec, c'est pas moi. C'est vrai. Oui. C'est bien parce qu'en plus c'est pas du tout forcé. Tu vois, c'est ça qui est... C'est vraiment de ton fait, c'est vraiment toi qui voulais le faire au départ. On est pas du tout en train de te mettre un pistolet sur la tente, frérot. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Non mais en vrai, les sons par contre ils passent vachement bien pour le coup. Oh du coup je peux mettre plusieurs voix, pareil. Genre, on met NMFAO plus Call Me Maybe mec. Ça arrive. On peut être que des voix et vraiment vraiment, je pense que les gens là vont me détester. On va tester, on va être que des voix. Je pense que les gens vont me détester. Ah
Il y a que les voix, il n'y a rien d'autre. En vrai, ça tourne. En vrai, ça tourne. C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, faut le savoir. Ouais, bah le jeu, je pense, n'est pas punitif, si tu veux. Dis-moi. Non, c'était un code. C'est un code que nous ont envoyé l'éditeur. On doit pouvoir le coup, c'est un fuseur. Et bon, moi j'imagine 3 et plus. Hein. C'est avec un S, fuseur. C'est F-U-S-E-R. Tu le dis ici, si jamais. Hein. C'est vrai. Ah, c'est compliqué, hein. Everyday I'm shuffling. Hey. C'est l'heure de passer. C'est le moment de passer un cran au-dessus. Bah, passe-moi un cran au-dessus, y'a pas de problème. Vous avez un truc, moi j'adore Dua Lipa. Il faut que je le dise. Ah ouais? Ah, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé celle avec Angèle la dernière, ouais. Ah, j'ai bien kiffé. Après, je suis aussi fan d'Angèle, donc si tu veux forcément, tu mets les deux en même temps. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez du nouveau morceau de Dua Lipa. Exactement. Toi, t'as pas le droit de lancer, et... t'as pas le droit de lancer des combats de toute façon, parce que il y a que les sables qui peuvent pas. ouais, ça remplace Spotify un petit peu, ouais, c'est ça. C'est ça. Salut Mickey, on nous dit bof bof. De toute façon, tu l'as le chat, je suis bête. Je te le lis alors que tu l'as. Tu as le chat. Les gens vont envoyer un max de... il faut envoyer un... Merde, oui, non, mais... Alors là, j'ai fait n'importe quoi, les gars. Je vous le dis direct. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Inclure 3 disques seulement. Pas de soucis, déjà. Salut, moi Game. Comment ça va? Bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à follow la chaîne, hein. C'est gratuit ça par contre, hein, les gars, y a pas de soucis, hein. N'hésitez pas à follow la chaîne. Bah ça va, merci, ça va. On est bien. Ça c'est les emotes qu'il y a sur la chaîne. Ah c'est beau. C'est beau. Tu connais un peu tout ça ou pas du tout? Tu découvres en fait? Non, bah, j'y suis allé quelques fois, mais. Ouais. Bah, c'est pas l'endroit où je suis. Ah bah, merci, moi Game, n'hésite pas. Merci beaucoup pour ton follow, merci à toi, moi Game. C'est tout à fait gratuit. Tout à fait. Tweet. Oui, il y a toutes les émissions et tout, franchement, on l'a géré notre... Les clips, on les a pas, je sais pas activer en fait les clips sur la chaîne. Globalement, tu vois, quand il y a des sons comme ça, ça peut te faire des bizarres sons clips ou quoi, et donc du coup, comme je supprime les DOD, ça a rien qu'il y ait des clips qui restent, tu vois, pour des fois. Voilà. Elle est top, la musique, tu veux dire? Je sais pas de quoi tu parles, Auré. Et il a changé de live, mais c'est le pire mec. Oh là là, il est parti chez un autre gars, mais franchement.
Le pire gars. La chaîne, oui, bah merci, c'est gentil, ouais, c'est très gentil, c'est très très gentil. On essaye, mais apparemment, Vincent n'est pas d'accord avec ça. Et je vais vous dire, les gars, ça va s'améliorer encore très très fort. Il y a tout le layout qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup de choses, on est en train de bosser sur pas mal de trucs. Et quand je dis on, c'est surtout les autres. Moi je suis là, je suis l'entrepreneur, tout ça, mais c'est tout. Ah, il est revenu quand même chez nous. Ouais, mais alors je prenais le temps de comparer ta chaîne à celle d'un ami à moi. Donc, Ouais, mais qui a l'air d'avoir du monde lui par contre, en fait. C'était un ancien, c'est. Est-ce qu'il était partenaire lui? Ouais, ça, mais il est. Et il fait du Twitch du coup? Il a essayé de se lancer, mais il a. Délégué, c'est parfait. Mais tu blagues, ça a pas plus pris, les gars, il a 16 000 followers et. Et il a, tapé le partenaire, c'est propre quand même. Il travaille à tu vas bien nous envoyer de soirée. D'accord. Et tu sais que justement, j'avais fait deux lives avec lui. C'est vrai ? Ouais, le nôtre, il va être fou aussi, notre live, hein, c'est sûr. On va bien se marrer, je pense. Mais on fera du FIFA, je pense, parce que si c'est un jeu que t'aimes en plus, moi j'aime beaucoup aussi. Je pense qu'il y a moyen qu'on se marre bien sur, ah ouais, sur FIFA. Ah, mais sur FIFA, t'es pas prêt, tu vas mourir. Ah, on va voir. On va se prévoir ça pour la semaine prochaine, vraiment. Okay. On va se prévoir ça un soir la semaine prochaine. Mais c'est une invitation. Mais oui, bien sûr. Quand tu seras seul, en tout cas. En tout cas. T'as vu, je l'ai dit encore. Ah ouais, non mais je vois. En sous-marin. Tu vas voir, à un moment, il va y avoir la notification. Ah là là. C'est beau. C'est... Et là, je pense que le chat. Merci, Mickey. Le chat pleurera, tu sais, de joie. De joie. Le chat sera ambiancé, ils diront, mais il a vraiment sub, il l'a fait finalement, c'est exceptionnel. Ah mais c'est trop bien, toi, tu peux même acheter des... En fait t'achètes des sons, ouais, avec les points du jeu. J'ai cru voir arpégiateur et tout, tu peux même acheter des instruments ou pas? Bah apparemment, mais je les ai pas encore débloqués, tu vois. D'accord. Okay. Non, ça a l'air assez... C'est comme ça que tu deviendras riche, nous dit Mickey. Exactement, elle a raison. Mickey qui... tiens, il faut qu'on se MP, Mickey. On va faire ça demain, là, sur Discord ou quoi. Il faut qu'on se cale la venue de dimanche. Hein. On a dit que tu venais me voir dimanche à Hyperlink. Hein. On a dit que t'allais être en bas dans la régie et tout. Elle a gagné ça. Hein. Dimanche pour la spéciale. Ah, si tu veux. Exactement. Si t'es dispo après, hein, ce dimanche-là. Si t'es pas dispo, ce sera le prochain. Il n'y a pas de souci. Après, faut pas oublier qu'on est en confinement aussi. Et que les gens peuvent difficilement sortir de chez eux. Tout à fait. Tout à fait. Mais attestation. Exactement. Attestation. Bon, je peux avoir une attestation pour toi, Mickey, hein, mais c'est comme tu veux. Si tu préfères faire ça après le confinement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on est très ouverts. Hein, intellectuellement, je parle. On commence. Alors, à justement, parler côté alors, intellectuel, moi, je suis pas sûr d'en faire partie, mais... Ah bah, regardez comment il met son casque. Alors, ah, gros intellectuel, hein. Alors, si je mets mon casque de cette manière-là, tu vois, c'est pour pas m'entendre en double quand je parle avec toi. C'est vrai. Ça marche, Mickey. Les gens te jugent, Vincent. Oula. 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 Ah, mais je suis censé travailler. C'est vrai. T'es censé taffer, mec. À un moment, il y en a un qui va t'engueuler à cause de moi. Bah, à un moment, c'est-à-dire que là, dans tout l'heure, c'est rien. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais tu passes un bon moment. Et même si t'es viré, bah au moins... Je suis viré avec le smile. Exactement. Ça, c'est important. Ça c'est très important. Titre des années 70, c'est avec plaisir. Moi j'aimais bien Hot Stuff, ça me faisait rire. Ça c'est quand t'es aux toilettes, hein. Seulement. Seulement quand t'es aux toilettes. Ne le faites pas là sur votre chaise de bureau, hein. Surtout pas. Est-ce qu'on passe pas un bon moment? Finalement. Quoi? Avant d'être viré, en tout cas, tu auras passé un bon moment. Et ça, c'est fort. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix.
baby. La levée est l'un des meilleurs moments pour lancer un disque. Ah, c'est quand les gens ils sont. Ah, d'accord. Eh, les gars, je suis daltonien. Il commence à y avoir beaucoup de couleurs là pour un daltonien. C'est moche quand même. Franchement, c'est pas beau. Hein. Après, du coup, c'est bien parce que c'est super. Ça te permet vraiment de balancer tes rythmes un peu différemment. Et du coup, de les caler bien. Ah, bah là, par exemple, j'ai pas mis de bon instrument. Pourquoi? On ne sait pas. Oh shit. Du coup, avec les nouvelles réglementations, ça gêne pas pour la musique? Alors, honnêtement, je pense pas parce que le jeu prend des parties des musiques et fait un mix dessus. Donc, tu reconnais pas la musique. Mais quoi qu'il en soit, sachez que la VOD elle sera sur YouTube, mais elle sera plus sur Twitch. on la fera sauter après. Hein. Direct. Hein. On prendra pas de risque là-dessus, honnêtement. On prendra pas de risque. Et puis là, il est quelle heure? Ah ouais, 21h quoi. Ça passe vite, ça passe vite. D'ici un peu moins d'une heure, on va s'arrêter. Parce que je pense qu'on a fait le tour du jeu aussi, on va pas se mentir. Hein, c'est très sympa. Mais déjà, je pense qu'il n'y a pas énormément de titres. Ou alors, il faut vachement taffer pour avoir du titre. Bah, honnêtement, non. Le jeu est sympa, mais je passerai pas des heures dessus, clairement pas. Mais voilà, c'est ça. Et tu devais appuyer en rythme et tout, ouais. Non, non, c'est vraiment, tu fais ton mix en fait. Mais du coup, c'est pareil, tu vois, on utilise toujours les mêmes sons. Voilà. Alors, je sais pas, Chips, je sais pas si la sortie sera pour minuit. J'imagine, généralement, c'est ce qui se passe. Après, ça dépend quel support tu utilises. Là, je suis sur Switch, et donc normalement, ça devrait être à minuit, oui, j'imagine. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et bienvenue à toi. Disais, pardon, moi, c'est un peu. Le jeu est fun, mais je pense qu'il faut pas non plus. Avec plaisir, Chips. Il faut pas non plus y jouer des Enders. Ah bah non, oui, clairement. Ah bah c'est pour ça que je savais déjà, si tu veux, que j'aurais pas 4 heures. Mais c'est cool de pouvoir tester le truc un peu en avance, de pouvoir montrer un petit peu aux gens ce que ça donne et tout, et les possibilités que propose le jeu, tu vois. Au final, tu vois, les mix sont quand même assez différents à chaque fois. Ah bah la preuve, regarde, on fait pas non plus des scores de ouf, mais... À l'époque j'avais tryhard Guitar Hero Live, je suis dégoûté qu'ils aient arrêté le live. C'est vrai qu'il était chouette, il était très chouette Guitar Hero Live, pour le coup, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais j'aimais bien le principe de Guitar Hero, d'avoir ta guitare et tout, c'était super sympa. J'aimais beaucoup de DJ Hero pour le coup. Qui était peut-être plus intéressant que celui-ci, pour le coup, parce que t'avais vraiment ta platine, tu jouais comme à Guitar Hero, mais avec un truc de DJ, et c'était vachement cool. DJ Hero, c'était stylé. J'aimais beaucoup. C'est que ça me manque, DJ Hero, en fait. Je me suis rendu compte de ça aussi. DJ Hero, ça me manque parce que le jeu était vachement cool. Et c'est dommage qu'ils aient arrêté ça aussi. Si à un moment tu sais pas quoi mettre pendant une pause musicale ou pas, tu me branches et je te fais un mix. La pause musicale. La pause musicale, je te la fais en live, mec. Je te la fais en live. J'ai oublié. Tu peux me dire merci. Y a pas de soucis, Chips. Vraiment, y a pas de problème. On te jugera pas sur l'orthographe ici, y a pas de problème. Je te l'ai donné en plus ta pause musicale, je te dis ce que tu mettais. Exactement. Exactement. Ça, c'est parfait. Ça. On juge personne, seulement Anto. Exactement, Zero. C'est moi qu'on juge ici. Les autres ne sont jamais jugés. Ah,
Après c'est pas grave, c'est toi qui dis ton conducteur, donc à la rigueur. Si tu veux je descends et je chante Fever. Pour vous. Pour le coup. Je vais chanter Fever pour vous. Je pense que vous avez adoré. Mais tu vois là j'ai déjà un peu l'impression de tourner en rond, honnêtement. C'est un peu le souci. Voilà, on me demande de mettre des musiques, on me demande de faire ci, on me demande ça, tu vois, mais. Du coup j'ai vraiment l'impression vraiment que la répétitivité va être un peu relou. Après, il y a quand même un peu de variété, tu vois, mais... Non. On peut changer les filtres ou c'est assez basique. Alors apparemment, il y a pas mal de personnalisation. Là, on est sur le mode campagne. Mais si tu veux, on fera un petit mode DJ set libre pour te montrer un petit peu ce que c'est. Et je vais te remercier du coup pour ton follow aussi, Chips. Merci beaucoup, Chips Moll, pour ton follow. Ça fait plaisir. C'est très gentil. C'est un grand soutien, le follow aussi. Et je me suis défoncé le genou. Là, c'est officiel. Tu prends à 100%. Mais non, parce que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Je me suis défoncé le genou. Après, toi, t'es différent, mec. Oh là là, j'ai le pantalon à sangles, ondulation. Mais c'est chaud. Tue le mec. Niveau supérieur, niveau 3, tu vois. Sois fier. Ah mais oui, niveau 3, non. Ouais. Voilà. Mais il faut que j'arrête de me cogner le jeu. Ok, pas doué. Après, j'ai les grandes jambes. C'est de toute beauté. Exactement. Exactement. Allez, juste après Anto sur Twitchings. Alors, Mickey, vraiment, j'adorerais. Le jeu va finir en plus en janvier. Moi, j'avais grave envie de le faire, Twitchings. Mais là, par contre, il y a des grandes chances que ce soit ban pour le coup. Donc, c'est un peu ça le souci. Mais j'aurais vraiment kiffé le faire, Twitchings. J'adore chanter en plus, moi. Mais c'est pas grave, je vais faire la pause musicale en bas. Je vais chanter Fever. Jetons de musique. Et... Tu m'appelles, je descends. Et qui soit à l'antenne, je prends. Ouais, c'est dommage qu'ils arrêtent. Après, est-ce qu'il y aura autre chose, tu vois, plus tard, on sait pas. J'espère vraiment qu'il y aura autre chose. Parce que l'idée était bonne, un karaoké sur Twitch où les gens pouvaient interagir dedans aussi, c'était plutôt une bonne idée. Il y a de la minimale techno-électro. Bah regarde, là, je te montre un petit peu ce qu'il y a, du coup. Mais je suis pas sûr qu'il y ait tout ça, tu vois, Chips Moll. Je sais pas, je pense pas. Après, faut voir que le jeu, du coup, bah, sort demain et que j'imagine que, comme tout jeu du genre, il y aura des DLC derrière, tu vois. Ah, Move Like Jagger, c'était bien, ça aussi, de Maroon 5. J'aimais bien. C'était chouette. Moi, je prends des titres, hein. Ils m'ont donné des points. J'ai envie de remettre Carly Rae Jepsen pour Vincent, hein, qui va bientôt devoir y aller... Non ? Enfin, je sais pas, à quelle heure tu dois bouger, toi ? Dans 30 minutes, mais j'ai toujours pas fini de travailler pour l'émission. Et t'en as pour combien de temps à travailler ? Je sais pas. Enfin, là, vu mon implication actuelle, je pense 3 heures. Je vais appeler ton boss, je pense. Je vais appeler ton boss. Je suis trop fier de toi. Oh, je suis tête d'affiche. Non. C'est là-dessus que tu claques ton sub. Ah, c'est le dernier truc du festival, juste avant. Après, on change de festival, juste avant. Ah, j'ai mis Call Me Maybe en instru pour toi. J'attends pour lancer bien mon Dua Lipa. Là, les gens dansent dans leur maison. C'est ça. C'est vrai que franchement, le truc est assez bien fait. Hein.
Putain, on va mettre du hot stuff. J'adore. Après. J'espère que vous êtes prêts. Mais moi je m'ambiance, mec. Mais oui. En fait, je me rends compte que déjà moi, comment je l'entends, c'est pas fou. Mais comment les gens l'entendent, je me dis, ah ouais, c'est fort. C'est moins fou, c'est pas envie. Pourquoi? Il est désagréable, hein. Et c'est parti, on l'a débranlé. Et c'est parti. Je mixe comme Guetta. Et on est désagréable directement ici. Je pense que après ce set là, je pense que Manu vient me signer pour son prochain événement live. Je pense que c'est sûr. Ce soir c'est Boris, soirée disco, exactement, c'est ça. Mais là je fais n'importe quoi, du coup je suis pas du tout dans le rythme, je suis pas du tout dans les trucs. Je pense que je vais le rater. En vrai. Je pense qu'il en faut une minimum, hein. Ah oui, non, merci. En fait, c'est parce que je lance pas assez de trucs, je pense. Du coup, ça passe bien là, ce que j'ai fait là, c'est pas grave. Le mec est fier de lui quand même. Le mec est fier de lui. C'est vrai. Sûrement le talent. J'aurais dû faire une scène avec où je suis vraiment derrière les platines et tout. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle. Ça aurait été très très drôle. Ça passe quand même. Ouais, moi je trouve aussi. Hein. Le jeu harmonise bien les trucs en vrai. Trop parfait. Oh, le mec il est trop parfait dans le jeu. C'est beau ça. Ah oui, j'oublie que je peux faire ça aussi, c'est vrai. 3, 4. Deux, un. J'ai raté, ça c'est bon. Aïe aïe aïe. Je joue un truc des années 70, mais pourquoi y'a toujours le même vieux dans mes trucs? Tiens, on va mettre du stuff. Vincent. Non, en vrai c'est ça pour Vincent. Je vous le remets parce que il kiffe. Il a fait éclater son téléphone, vous ne l'avez pas vu. T'as eu chaud, frérot. J'ai récupéré en plein vol. C'est ça. T'as vraiment mis ça sur le chat, Vincent. Il manque plus qu'un petit s'il vous plaît derrière. Et le pire, c'est que personne n'avait. Et que je l'avais même pas vu, frérot.
Ah si, t'as Mickey qui aime bien. Ah, bien vu. Mickey aime bien. Bon, enfin, j'ai mes limites en vrai, elle dit Mickey. Lui, il a zéro limite, Vincent, hein, faut le savoir. Là, il est en train de bosser à fond, hein, sache-le. Si son patron nous regarde, et il est en train de bosser, mais alors. Il a l'air. Ah, bah, si, en vrai. Merde, les gens sont tombés. J'espère que chez vous la télé est en place. Allez, vous refait le cadre, regardez. Aïe, Mickey est tombé. J'aurais fait n'importe, vraiment sur ce mix là, on aurait été jusqu'au bout. Hein. Ça bouge à la maison. AVL aussi ça bouge. J'ai envie de le refaire juste pour son plaisir les amis, mais c'est vraiment parce que je l'aime beaucoup ce petit Vincent, vous le savez maintenant. C'est vraiment pour ton plaisir. Voilà. Vas-y bah. Tu l'as quitté après? Ouais, normal. Normal. Tu sais que le pire, c'est que j'avais bien aimé, je trouvais que la danse allait bien avec la musique. Mais t'étais amoureux surtout. J'étais très amoureux. Ouais, t'as sûr. Putain, mais c'est le DJ set le plus long de l'univers. Bon, faites pas trop de bruit, hein. Y'a Vincent qui est en train de bosser à côté. Faut mettre 4, d'accord. Pas de soucis, les gars. Ah, ça, je l'ai déjà mis. Ah, c'est que de la musique, tu vois. Y'a plus de paroles. On n'en a rien à faire des paroles, ça sert à rien. Oh là là, y'a des feux d'artifice carrément! Mais quel bebon! Quel bebon! Oh là là, DJ Fox is in the place. Ta première tête d'affiche est
première tête d'affiche. Je gagne le débardeur avec Foulard. Et c'est hors de question. Oh, c'est moche ça. Il me offre des musiques là. C'est cool ça, par contre. C'est cool. Ouais, d'accord. Il est content, Jean-Mi. Y a pas de soucis. Je suis ravi d'avoir été là pour lui, vraiment. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de terminer du coup et de passer à Néon Abyss, on va se faire un petit set freestyle. Je sais que t'as... Regarde, freestyle. Et donc, il y a un freestyle coopératif. Tu peux jouer ensemble et tu peux faire des battles aussi. Ça, c'est cool. Et du coup, j'ai déverrouillé la deuxième scène, donc on va tester la nouvelle scène. Comme la nouvelle scène française. Vincent est mort de rire à côté. Hein. Ça s'entend pas au micro, mais il est... Là, il est par terre, là. Là, il est au sol. Le mec est au sol. Il est surtout en retard. Je te sens de moins en moins rigoler au fur et à mesure du temps qui passe, tu sais. Je sens la petite goutte de sueur et tout, genre... Putain... Il faut quand même que je finisse, sinon, y en a un, il va gueuler. Il aura raison. Oh, Panic at the Disco, tu te souviens? C'était bien, ça, Panic at the Disco. Oui. Je vais mettre Panic at the Disco. C'est la nouvelle, c'est la toute nouvelle. Elle vient d'être déverrouillée, elle l'a pour vous. Et il est encore sur ses patines, DJ Fox. On ne verra jamais son visage. C'est illégal. Là, il est chaud. Lady Marmalade, t'es prêt? Ouais. Tu veux entendre ça? Bouge pas. Ah bah bien sûr. T'es pas fan? Ah ouais? Ah, je trouvais que c'était pas mal. Si, il passe. Bah, c'est celui que j'avais déjà. J'essaie de remettre un truc que j'avais déjà. Bah, alors du coup, on me demandait tout à l'heure, il y a tous ces réglages là, tu peux régler le tempo. Là, il fait un freestyle. Et tu peux faire ça aussi. Et ça en mode majeur, ça majeur, ça mineur. Là on est passé en mode ouf là. Là ça bouge là. Là ça kiffe là, je suis sûr. Là le public est en délire là. Ah, ça fait quoi les paroles de ce truc là, mi gente là. Moi j'ai mis là. Ah, il est chaud là. Bon, ça c'est bon. C'est le bon. C'est le bon. C'est l'officiel français.
4 millions de vues. Je sais pas pourquoi ça m'éclate que ça aille à fond. Je sais pas pourquoi. Alors je crois par contre qu'il n'y a pas de... Attends. Entrer en mode enregistrement ? Mais non. On peut enregistrer un mix entier ? Ah ouais, genre je peux vraiment te sortir un son pour que tu le diffuses, mec. Là t'as envie, je sais. Là t'as envie que je te diffuse un truc, là. Là je sens que t'as envie de diffuser ça ce soir. Ouais. T'as bien chou ? Ça serait très très bon. Pas sûr que l'animateur soit d'accord. Mais on peut créer ses propres musiques directement dessus, donc ça c'est ouf quand même en vrai. Par contre, la fonctionnalité est là quoi, et ça marche vraiment. Mais comment je l'exporte? Attends, on va tester, tu sais quoi. Réaliser un mix en 32 mesures, évidemment. Je tente, hein, les gars. Ocean Yet Wayne, vous vous souvenez? Oh, c'est vieux. Je rame un peu quand je veux balancer pas mal de trucs, mais sinon... C'est la Switch, quoi. Enregistrement terminé, tu peux continuer à peaufiner ton mix ou tu peux le sauvegarder. Vas-y, on va le sauvegarder. Nouveau mix, c'est très bien comme nom. Et on peut le partager, et je le partage comment? Avec mes abonnés Fuser. Ah, on peut pas du coup... D'accord, on peut pas du coup... Ok, bon, on a créé un mix, hein, les gars. Montée constante, montée intelligente. Ah, il me met le tempo qu'il faut. T'as vu? C'est bon, ça. Il l'a baissé, mon tempo. Alors que mon tempo était quand même vachement bon. Bon voilà, du coup, les amis, on va s'arrêter là, je pense, pour Fuser. C'était Fuser. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette VOD YouTube. A bientôt.